Salut! Bon, petite rénovation du poulailler. J'enlève les tuiles tranquillement. Je vais en récupérer quelques-unes parce que les matériaux ça coûte très cher. Et je vais virer celles qui ne servent plus à rien, qui sont poreuses. Donc ensuite, on enlèvera les litots, les chevrons, les solives et les pannes. Et voilà, il n'y aura plus qu'à tout remettre à l'envers. Et ce sera des tôles. Toutes les tuiles ont été déposées, maintenant c'est au tour des litots. Par contre, en haut à droite, ça a été modifié, c'était pas d'origine, ça ils ont dû enlever ou rajouter des pieds pour mettre de longues tôles, et ça va pas être facile à arranger cette histoire. Tout nettoyé, et il commence à pleuvoir. Alors là, je vais récupérer tout ça. Ces espèces de litos, si on peut appeler ça des litos, parce que c'est plus des carrés ou des carrelets ou des tasseaux. J'enlèverai les clous avec amour. Enfin, il y en a bien qui vont partir pour le bois de barbecue. Puis ça servira pour d'autres choses. Un petit nettoyage de printemps s'impose après la démolition. Après, je vais bien prendre les mesures de partout, toutes les entailles.
Bon, me voici sur mon magnifique plancher. C'est juste des planches alignées. Mais on va voir au séchage comment ça va faire. J'ai déjà monté mes pannes. C'est en fait des chevrons de 8 par 10 cm. Et là, j'ai une solive de en plus, une 165 par 65 mm. Mais elle fait que 3 mètres de long, donc c'est pas assez pour faire une panne sablière. Dommage. Au niveau du poulailler provisoire, ça se passe bien. En fait, je les fais pas dormir dedans, comme ça, ça salit pas. Puis je suis pas sûr qu'elle voudrait. Mais par contre, elle pond dedans et ça, c'est très bien. Puis maintenant qu'il y a le plancher, c'est bon, ça peut être opérationnel à nouveau. Ce qui m'embête, c'est la panne faîtière. Je sais pas exactement où je vais la caler ici. Et de l'autre côté, il n'y a absolument rien pour la caler. À part ces vieux bouts de ferraille enfilés dans le mur. Bon, ici, c'était tout détruit. Ils ont rajouté plein de ciment, ils ont remis des chevrons. En mettant des tôles à la place n'importe comment. Ça se trouve, à l'origine, il y avait un angle de toiture ici. Et tout s'est effondré. Eh bien, les histoires commencent. Là, ça rentre. Mais c'est légèrement en diagonale. On peut voir à peu près avec l'ombre. Donc, si ça se trouve, il va falloir refaire un peu plus de maçonnerie. Casser par ici. Voici le montage de base. Bon, ça passe derrière le mur. Bon, là, c'est juste une histoire de calage. Par contre, de l'autre côté, après les rénovations à l'arrache, je sais pas où on s'en va. Je sais pas si on part pour la lune. Ça va mieux avec la panne intermédiaire dans le bon sens. Ensuite, j'aurai installé ma panne faîtière par là de ce côté, et de l'autre côté il va falloir soit que je mette un poteau en bois, soit que je fasse un petit peu de maçonnerie. Linteau, faîtière. Alors aujourd'hui, journée maçonnerie. Je travaille à la chaux, NHL 3,5. Donc j'ai mis 4 cuillères de chaux pour du coup 8 cuillères de sable. Vaut mieux mettre le loge de maçon le plus proche possible du travail pour éviter de la porter ensuite et d'en mettre partout. Ça fait sortir un peu de matos, les truelles, la taloche, un peu d'eau de source et un petit peu d'eau dans le pulvérisateur qui date, qui doit être croupi depuis le temps. C'est pas grave, c'est pas pour boire. J'ai investi dans un petit outil très technologique. Ça fait gagner au moins 15 minutes et économiser des forces. Et on en a besoin des forces pour rénover tout ça. Oh là là, non mais pas partout. Thank you.
Alors pour faire de la maçonnerie avec la pierre, il faut utiliser de la chaux, car le ciment il est trop dur, il finit par faire éclater la pierre. Et sinon, si en bas du mur, ça fait des remontées capillaires d'humidité. Là en haut du mur, il n'y a pas de risque. Il faut mettre ses petits gants parce que ça peut finir par occasionner des brûlures chimiques. Bon, c'est pas grand chose, hein. Puis ça peut s'annuler avec un peu de vinaigre. Paf! On arrose bien la surface avec le pulvérisateur, surtout que là il fait très chaud, donc ça va boire beaucoup beaucoup. Travail de bourrin. Impeccable. C'est quand même plus sympa ici que ici. Je me suis fait un petit support pour panne fêtière en taillant dans deux petites solives. D'ailleurs, j'aurais pu creuser dans la même solive. Donc ici, ça fait une échantignole. Là, une échantignole. Et de l'autre côté, un support. Mais j'aurais pu creuser dans la même solive finalement pour faire un truc pas mal. Bon, ça ira. J'ai calé ma panne fêtière avec deux bouts de solive. Mon échantignon là. Puis un petit bout calé ici. En fait, j'aurais pu tailler à l'intérieur au milieu d'une solive et ça aurait été plus joli, mais c'est pas grave. Ça va très bien. Alors là, j'ai fait un petit calcul mathématique très simpliste qui énerverait sans doute tous les ingénieurs en maths. Alors mon chevron commence à 0, il fait 6 cm de large. Donc ensuite on les met tous les 60 cm parce que c'est la norme. Donc ici on commence à 66. Ensuite ce serait 120 plus 12, donc 132. Ensuite 180 plus 18, 198. 240 plus 24, 264. 300 plus 30, 330, et enfin 360 plus 36, 396. Après on peut remettre un chevron derrière, mais j'ai pas prévu ça comme ça. J'ai rajouté un rang de demi-chevrons, mais il faut que je les coupe moi-même en fait. J'avais pas prévu du tout ça à la base, j'avais prévu plutôt des ardoises, mais au vu du prix, on se dit que c'est pas plus mal les tôles. Donc je suis obligé de radiner un peu sur les matériaux parce que j'ai pas le bois d'œuvre nécessaire. Puis le temps que les matériaux arrivent à la commande, c'est plusieurs mois. C'est très chelou cet endroit. À l'époque, il devait y avoir un genre de croupe
en tuiles, tuiles de terre cuite. Mais ça a du mal à être fait et puis ça a du tout s'effondrer. Là, je vais me débrouiller pour bricoler quelque chose. Bah voilà, c'est pas totalement la classe, mais ça fonctionne. Faut dire que j'ai aucun matériel pour plier le zinc et la tôle. Donc le jour où j'ai un peu plus de compétences, un peu plus de matos, je dézingue tout et je recommence. Je me suis coupé un bout de tôle à la grignoteuse. C'est juste une cisaille à ferraille en fait. Il faut que je mette encore sur la bande du bas, là, l'égout, des demi-chevrons. Sinon ça va pas arrêter de gigoter. Alors pour couper le bout des chevrons, je me suis laissé une 5 cm par rapport à la tôle. Fil à plomb, cordeau. Je peux aussi reporter l'angle partout avec la fosse équerre. Un petit coup de scie circulaire mobile avec le bon angle, soit 25 degrés. Et je finis à la scie égoïne. C'est cool, je vais pouvoir installer une gouttière. Ça tombe assez bien. Bon, les constructeurs veulent qu'on en mette tous les 40 cm des trucs comme ça. Mais dans mon ancienne maison, c'était tous les 60 cm sur les chevrons et non pas sur une planche. Et ça va très bien. Surtout que c'est pour les poules. Bon, après, je suis en train de me demander dans quel sens faire la pente d'écoulement, sachant que j'ai toujours pas de tonne à eau disponible. Soit à gauche, mais ça risque de gêner. Soit à droite, mais ça risque d'être trop bas. Puis c'est quand même vrai que même moi j'ai pas de gouttière. Donc les poules ont le temps pour en avoir une. Il y a le temps de réfléchir. Bye.
va falloir encore que je mette une rive de faîtière contre le mur qui doit pas être super droit. Donc il va falloir y aller par à coup de maçonnerie, je pense. Pas mal de chaux. Il y en a qui font ça au ciment, mais j'aime pas trop le ciment évidemment. Ou alors ce serait des cartouches de mastic polyuréthane. Mais il faudra en passer pas mal aussi. Bon, par contre là ça va être barbecue. Et il va faire une semaine de pluie, donc il va falloir abandonner le chantier ici. Ce fut très rock'n'roll.